Bonsoir mon petit chouchou, bonsoir les filles. Aujourd'hui nous sommes le 13 avril 2020, il est 23h19 exactement. Ça va être une petite vidéo blabla pour répondre à vos commentaires les filles. Oui, j'ai un petit peu de retard. J'avais besoin de faire une petite pause. Voilà. Donc pour vous répondre à toutes. Niveau santé, je vais très bien. Problème de respiratoire que j'avais l'autre fois, que j'avais le nez bouché, ça va un petit peu mieux. Hein. Voilà, sauf que je fais attention quand je me mouche, hein, parce que j'ai tendance à saigner un petit peu du nez. Voilà. Autrement, niveau santé, tout va bien. D'ailleurs, j'ai toujours pas enlevé mon ampoule de vitamine D de mon sac depuis avant-hier. Il va falloir que je la sorte et que je la prenne. À part ça, bah, tout va bien. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos, j'en ai une qui est en ligne là actuellement. Comme je vous l'ai montré dans les vidéos, oui, c'est la dernière que j'ai en ligne. Oui. Voilà, la première partie de mon plaid tricot passion est terminée. Au niveau des carrés, les carrés sont finis, sont assemblés tous ensemble. Donc là, il me reste encore la deuxième partie, donc encore 45 carrés à coudre pour finir la deuxième partie, pour pouvoir la mettre sur la première partie. Voilà, il y a 90 carrés au total. Voilà. J'ai avancé sur mes petits carrés de mes créations crochet facile. Alors, j'en suis. Il me reste encore 9 carrés à faire. Je mets ça là. Alors, il me reste plus que ces quelques petites pelotes à faire. Vous voyez? 3, 6, non, 4, 8, oui, il me reste encore 9 carrés à faire parce que c'est une pelote par carré. Donc là, j'en ai fait un. Hop. Oui, parce que le numéro 100 et 101, je les avais déjà fait. Voilà. Donc, depuis hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait que celui-là aujourd'hui. J'en ai fait deux. J'en ai fait que deux aujourd'hui. Hier, j'en avais fait quand même cinq. Voilà. Enfin, depuis hier, j'ai fait tout ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai fait 7. Voilà. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, je vais les mettre dans l'ordre. Ce sera plus simple. Le 101 et le 102, je les avais fait. Hein. Le 100 et le 101, pardon. Donc j'ai fait le 102, le petit numéro et l'épingle sont mises. Le 103, il n'y a pas de numéro 103 parce que c'est là où on fait, c'est pour juste faire la bordure avec la laine blanche. Hein. C'est juste pour les border. Voilà. Et ça va leur redonner leur forme droite. Ensuite, j'ai fait le 104, le 105. Le 106, le 107, le 108 et le 109. Donc là, j'en suis au 110. Et il y en a 119 au total. Voilà. Donc ceux-là, ben, ils sont. Après, il n'y aura plus qu'à faire les bordures blanches et après les assembler les uns avec les autres. Voilà. Et là, j'avais commencé à faire le 110. Mais j'ai coupé. D'habitude, je reprends la laine. Hein, je rattache la laine au bout, je la reprends là, puis je l'attache après. Mais là, je n'avais pas envie de le faire.
je vais commencer à faire le premier petit rond du 110. Mais ça va me servir pour faire une petite fleur. Hein. Voilà, c'est pas perdu, ça va me servir pour faire une petite fleur. Donc, je la mets là-dedans avec mon petit marqueur et mes petits papiers pour marquer mes numéros. J'ai cassé ma petite aiguille rouge que je me servais pour faire les coutures. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Je l'ai collée avec de la super glue. Je m'en suis servi, ça a marché pour coudre le premier carré. Quand j'ai voulu coudre le dernier carré, eh ben, l'aiguille, elle s'est recassée. Donc, on n'en parle plus. J'en commanderai d'autres. Donc, actuellement, je suis en train de faire celui-là. Donc, du coup, ben, je l'avais commencé, mais bon, du coup, je l'ai refait. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai recommencé mon cercle jaune et j'ai refait mon... J'en suis à la deuxième partie. Et c'est celui-là que je suis en train de faire. On va peut-être d'ailleurs le finir après le blabla, on va peut-être le finir ensemble. Voilà. Parce qu'ils sont assez simples à faire, ceux-là. Voilà. Hop, que je ne me pince pas les doigts. Alors, j'ai plein de pelotes qui ne sont pas entamées parce que... pour faire les petits... Là, vous voyez, celui-là, il fallait prendre la pelote laine blanche, celui-là que je suis en train de faire. Mais comme il y a assez pour faire avec des restes, du coup, ben, tout mon carré se fait avec des restes. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé une autre utilisation pour ma petite boîte. Quand je fais mes petits carrés, je mets les couleurs de laine que j'ai besoin dedans. Comme ça, je n'ai pas besoin de les chercher. Je prépare avec mon petit crochet, je prépare tout à l'avance. Voilà. Donc là, ben, c'est là-dedans. Ça, c'est ma laine blanche, voilà. Donc ça, c'est un reste de laine. Enfin, reste de laine, la pelote avait été entamée, hein. Voilà. Mais j'ai un plein sac de pelote non entamée. Voilà, donc je mets ça là. Et on fera après. Alors, pour répondre à vos questions, ben, je vous ai répondu, hein, niveau santé, niveau de mes chrysasmes, ça va un petit peu mieux. Voilà, mais bon, de ce côté, il y a des arbres qui sont en fleurs. Moi, je vois quand il fait du vent, comme aujourd'hui, je vois les pétales des petites fleurs de l'arbre qui volent. J'ai les buissons qui sont en fleurs en dessous de ma fenêtre de ce côté. De l'autre côté, ça risque rien parce que j'y suis très rarement. Voilà, mais je suis plus souvent ici. Donc, ben, j'ouvre les fenêtres quand il fait beau. Mais toutes les odeurs de dehors, voilà. Niveau mon nez bouché, ça va beaucoup mieux aussi. Pardon les filles, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couchée, il était 8h ce matin pour me lever à 10h30, hein, voilà, donc il était avant 8, oui il était 8h, non il était 6h, oui je me suis couchée cette nuit, enfin ce matin il était 6h30, 7h, et à 8h j'ai ma copine Sarah qui m'a envoyé un mot pour me souhaiter bonne Pâques. Alors que Pâques c'était hier, mais bon, voilà. Voilà, donc elle est un petit peu moins présente. Mais bon, je me fâche pas avec elle parce que, bon, elle m'achète pas mal de choses. Elle m'échange des choses contre d'autres choses qu'elle a chez elle. Voilà, et puis bon, elle s'ennuie, elle est toute seule, donc voilà. Et puis c'est vrai qu'on discute beaucoup toutes les deux, et puis ça me fait du bien de la voir, même elle qu'elle me parle de son chat, qu'elle me parle de... Voilà, ça me... Je l'écoute, ça me remémore des souvenirs, mais bon, je l'écoute, ça lui fait du bien de ça lui fait du bien de parler, pardon. Et comme ça, bah, quand elle est avec moi, elle pleure pas. Bon, ça arrive des fois qu'elle a des petites larmes, mais bon... Mais voilà, elle est gentille. Denise, ma petite mamie, tu m'as envoyé un petit commentaire, d'ailleurs je t'en parle dans mes dernières vidéos, j'ai pas pris le temps de te répondre parce que j'ai eu des petits problèmes de connexion, donc comme je peux faire mes vidéos sur ma tablette, mais après, j'essaye de faire une vidéo sur... avec ma webcam, avec ma caméra de ma tablette, et après de la mettre... mais je ne peux pas installer le logiciel sur ma tablette. Le logiciel que j'ai sur l'ordinateur, je ne l'ai pas sur ma tablette. Donc, ça c'est un peu compliqué. Voilà, parce que les autres logiciels pour faire les photos, je ne sais pas s'ils sont valables. Et puis apparemment, ils ne sont pas en français. Donc, j'y regarderai. Mais en attendant, je pense à toi, mamie. Je ne t'oublie pas.
Quand tu vois que je t'écris pas sur Facebook, en discussion écrite sur Facebook ou à tes commentaires que tu mets sur ma boîte mail, ne t'inquiète pas, tout va bien. Par contre, je réponds à tes messages via mes vidéos, par l'intermédiaire de mes vidéos. Donc, si tu suis mes vidéos, tu verras que je réponds à tes petits messages. Voilà. Comme ça, je suis sûre que tu les reçois. Voilà. Et puis avec les vidéos, tu me vois, parce que quand on se connecte, apparemment, ça doit être moi qui dois avoir un problème avec mon téléphone, ou c'est parce que, voilà, quand ma fille, quand je me connecte en vidéo avec mon, quand je me connecte en vidéo avec l'ordi sur le portable de ma fille, elle me voit, moi je les vois, donc c'est pas normal que toi tu puisses pas me voir quand je t'appelle sur, mais je pense que c'est parce que je vais directement en vidéo. Par le biais du message que tu m'envoies sur dans ma boîte mail. Donc je pense que ça doit être par rapport à ça que tu ne me vois pas. Voilà. Je vais avoir un autre ordinateur, les fils, et un ordinateur de bureau. Voilà, ma télé, ça c'est les pubs. Oui, je disais, je vais avoir un autre ordinateur. Ma copine Sarah donc est venue avec son copain Jean-François, ils sont venus cet après-midi parce que c'est lui qui a pris les photos. C'est son demi-frère Denis, mon ancien ami qui était avec Patricia. Il était avec une femme, malheureusement elle est décédée, elle aussi. Ça va faire 2 ans cette année qu'elle est décédée. Et lui, il se retrouve tout seul. Mais on a toujours été en contact, on a toujours été amis, très gentils, et c'est un demi-frère au copain Sarah, Jean-François. Donc comme il a un ordinateur à vendre, c'est un ordinateur de bureau, donc c'est un petit écran hein, qui fait à peu près 21 cm, hein. On n'est pas bien grand. Hein. Et la tour, l'écran, le clavier, la souris et les deux haut-parleurs qui vont avec, mais des beaux haut-parleurs. 180 euros l'ensemble. Alors la tour, c'est une grande tour, elle est grise devant, et puis sur les côtés, elle est transparente, ce qui fait que vu qu'elle est transparente, on voit tout le circuit, la carte mère, on voit tout ce qui est tous les composants à l'intérieur de la tour. Voilà. Mais elle est magnifique la tour. Bon, 180 euros, c'est pas cher. Voilà. Alors soit je lui paye en 4 fois 45 euros. Soit je lui paye en 2 fois 90 euros, mais comme je connais, il me connaît très bien, il y aura moyen de s'arranger. Alors j'ai vu l'ordinateur, l'écran et tout en photo, mais mercredi, comme je vais au Resto du Cœur, on va voir avec Jean-François s'il peut faire un petit détour avant de rentrer, si on peut aller chez son demi-frère, chez Denis, pour que je puisse voir vraiment exactement la tour. Qui me la branche pour voir comment elle fonctionne et tout ça, qui m'explique le fonctionnement de la tour et tout ça. Malgré que je sais comment fonctionne une tour, mais bon, toutes les tours ne s'allument pas pareil. Voilà. Voilà pour ça. Donc, 180 euros, une tour, un écran, un clavier, une souris sur Internet, il y en a pour du 200-300 euros. Hein, 200 euros maximum, 200-250, c'est le moins cher. Sinon, ça monte jusqu'à des 1000, 1200, voire des 2000 euros une tour. Donc, c'est pas mes cordes, c'est pas dans mes cordes. Voilà. Voilà. Donc, Sophie, pour répondre à tes commentaires. Bon, au niveau de ma couverture de mon plaid de Tricot Passion, je vous ai répondu. La première partie, ça y est, elle est faite. Sur une première partie, il y a 45 carrés. Donc la deuxième partie, ça va être pareil, il va y avoir 45 carrés. On fera les coutures ensemble, mais j'essaierai de la faire autrement parce que sur l'endroit, là, il y a des endroits où on voit le fil bleu marine où j'ai cousu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, elle hein, restera à la maison, ça scie et l'eau, j'essaierai de m'entraîner pour faire des coutures invisibles. Voilà. Donc là, il me reste encore les 45 carrés de la deuxième partie à coudre et après, il sera fini. Oui, c'est des belles couleurs. Voilà. Mais quand ça va être tout fini, quand tous mes plaids vont être finis, parce qu'il y a
Il y a le plaid de la collection Mycbox, c'est exactement le même que celui-là que je suis en train d'assembler les carrés, de mon plaid tricot passion. C'est le même, les mêmes carrés, les mêmes couleurs, les mêmes points. Voilà. Sauf que c'est la marque, c'est le nom de la collection qui change. C'est Mycbox, mes créations tricot facile. Voilà. Alors que sur l'autre, c'est tricot passion chic et facile. C'est juste ça qui change. Voilà. Dans la Mycbox, on a des pelotes de laine en supplément, en plus des quatre petites. On a toujours les quatre petites pelotes pour faire les quatre carrés. On a le livre à la place des classeurs, c'est ça qui change, le livre à la place des classeurs. Et on a des pelotes de laine en supplément pour faire les kits du mois. Il y a deux propositions de kits pour le mois. Soit vous faites le premier, soit vous faites le deuxième. Sur la box numéro 3 que je vous ai montré, que je vous ai fait en vidéo ouverture de colis, c'est soit le petit bonnet en gris chiné ou alors l'étui à lunettes. Voilà. Voilà. Donc pour ça, c'est fait. Sophie, tu me demandes où j'achète mes toiles diamant painting parce que tu les trouves jolies. Je n'ai pas de vendeur attitré. Voilà. Là, j'ai commandé chez Jouistar, certains, chez Unfun, chez OneCan. Et l'autre, c'est quoi? Alors, je commande, pour être plus simple, je commande mes toiles, je recommence à recommander mes toiles sur AliExpress. J'en ai commandé une, je crois, sur Wish, une ou deux. Sinon, c'est Amazon. Voilà. Donc, c'est AliExpress, Wish, Amazon. Là où je pourrais encore les acheter, c'est sur Joom, le site Joom. Et j'ai vu qu'il y en avait sur Vova, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur Vova. Je ne sais plus. Je sais qu'il y en a une parmi vous qui les achète chez Vova. Donc, je vais tester Joom et Vova. On verra bien. Voilà pour mes toiles diamant painting. Pour le confinement, ça ne me gêne pas du tout. Parce que étant asthmatique, quand je sors, vu qu'on arrive au printemps, on est au printemps, on arrive en été avec tous les pollens des arbres, des fleurs et tout ça, et puis la poussière, hein, je ne suis pas aidée. Mais le confinement, ça va. Hein, je sors un petit peu l'après-midi quand il fait beau, comme hier, avant-hier, il faisait très beau. Avec Sarah, on est sortis, on a été jusqu'au parc. On a fait le tour du parc, ça m'a permis de voir qu'il y avait eu du changement au parc. On s'est assis un petit peu le temps de manger un gâteau. Et puis, parce qu'on est passé à la boulangerie avant, parce qu'elle avait un petit peu de monnaie, donc voilà. Et puis de la boulangerie, j'ai voulu couper à travers le parc pour pouvoir rentrer à la maison, parce que c'est un chemin qui mène jusqu'à chez moi. Et on a traversé à travers le parc, on a été faire le tour du parc, et puis du côté où je m'assois, à côté où il y a l'étang, ils ont carrément enlevé le petit pont en bois qui nous permettait de traverser du côté. On a l'étang, on a la première partie du parc qui est du côté où je suis moi là, et il y a un petit pont qui nous permet d'aller sur l'autre berge, sur l'autre partie du petit parc. Là, le petit pont, il est complètement. Alors, est-ce que c'est du fait que l'eau a la montée? Mais ça m'étonne. Parce qu'il n'y a plus les piquets sur... Et puis, là où je m'asseyais avant, là où il y a la table en ciment, où je m'asseyais sous le sol pleureur, là où mon copain allait pêcher, ben, sur la partie... Il y a deux petits îlots. C'est-à-dire qu'on a un petit coin, ça fait comme une petite île, et de l'autre côté, il y en a encore une. Ça en fait deux. Donc, sur la première petite île... on a un petit pont, quand on arrive du centre-ville, on a trois entrées au parc. Non, quatre. Il y a quatre entrées. Une, deux, trois, quatre. Il y a les deux entrées qui donnent sur la grande route, là où il y a le centre-ville et la salle des fêtes, où il y a la poste. Il y a une entrée à côté de la poste. Il y a une entrée là où, à côté de la salle des fêtes. Il y a une autre entrée du côté de la médiathèque, parce que la médiathèque et la maison des jeunes, ça touche le grillage au niveau du parc. Et il y a une entrée de l'autre côté, quand on traverse, voilà, de l'autre côté de la rue, je ne sais pas où amène cette route. Et
quand on a franchi la première partie du parc, c'est là où il y a la salle des fêtes. Il y a une première partie ici où il y a les jeux pour les petits. Voilà. Après, on a un tout petit porche qui on passe dessous pour aller sur l'autre partie du. Enfin, c'est la même partie, mais il faut passer sous le petit porche pour aller là où il y a l'étang. Et quand on est arrivé à la première bordure de l'étang, on a un petit pont. On traverse pour aller sur la première petite île, le petit îlot. Et après, on a un autre petit chemin blanc qui s'en va sur l'autre petit îlot. Voilà. Et quand on est sur la première île, le premier petit îlot, on a un beau simploreur. Il y a une table en pierre, en béton d'ailleurs, on va dire, avec des petits cailloux incrustés dedans. Et quand on est là, il y a un autre petit pont généralement qui nous emmène sur l'autre partie, sur l'autre côté, sur l'autre rive, on va dire, sur l'autre berge. C'est mon chat. Pour aller sur l'autre partie du parc qui ressort à l'autre bout, sur l'autre route qu'il y a derrière. Voilà. Mais apparemment, le petit pont, ils l'ont enlevé parce qu'il n'y avait plus les piquets qu'il y a en bordure de berge de ce côté-là pour aller à l'autre bout. Il a été enlevé. Et puis, sur le petit carré d'herbe où je m'asseyais, quand on a passé le premier petit ponton, il y a un petit bras de l'étang qui passe dessous. Quand on arrive de. Ça fait comme un petit pont, un petit porche. Quand on a passé ce premier petit porche, qu'on arrive au premier petit pont pour aller de l'autre côté sur le petit îlot, eh bien, ils ont mis un petit chemin de cailloux. Ils ont fait un petit chemin de cailloux parce qu'avant, on marchait carrément dans l'herbe. Et quand il pleuvait l'hiver, ben, quand on voulait aller se promener là-bas, ben, on marchait dans la gadoue. Donc, ils ont fait un petit chemin qui mène sur le petit pont qui va sur l'autre rive. Mais bon, le petit pont, il n'y est plus. Donc, je pense qu'ils vont le réparer parce qu'avec avec la montée des eaux, je pense que ça a dû abîmer finir d'abîmer le pont qui a été abîmé avec les inondations qu'on a eues en 2018. Bébé Mars, allez, viens là. Oh bah oui, hein, t'es obligé de sauter là. Allez, viens. Hop là. Voilà mon bébé. Non, non, pas sur mes genoux. Tu griffes. Non. Coucou mon chien. Ça, c'est ma grosse boule de poils. Voilà. Oui, on ne le voit pas toujours sur les vidéos parce que des fois, il est parti se coucher sur le bureau, me mettre ses poils sur mon bureau. Hein, mon bureau noir. Mon bureau, il est aussi noir que lui. Hein, mon pépère. Des bisous, maîtresse. Pépère. Bah, viens. Tu fais bisous, maîtresse. Tu fais des bisous, maîtresse. Là, comme ça, vous le voyez mieux. Des bisous, maîtresse, mon bébé. Oh, c'est un petit pépère, c'est un maîtresse. Hein, mon bébé. Oui, c'est bébé, tiens. Oh. Ouais, mais là, t'as pas de place, là. 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 Tu vas tomber, là. Là. Viens là. Allez. Tu me griffes, là, bébé. Il me déchire tous mes vêtements. Bah oui, tu fais des bisous, maîtresse. Oh. Voilà, ça c'est le moment du câlin. Voilà. Voilà, donc pour le parc, voilà, c'est fait. Donc on a été jusqu'au premier. On a passé le premier petit pont pour aller sur le premier îlot, mais il y avait déjà quelqu'un qui y était, donc on a été à l'autre bout. Et puis sur l'autre îlot, c'était pareil, hein, il y avait quelqu'un, donc on a fait demi-tour. On était s'asseoir sur un banc, là où il y a les petits jeux et la tyrolienne pour les petits et les plus grands. Et puis après, ben, on est rentré, on a fait le grand tour, hein, on est passé, voilà. Et puis, ben voilà, ça nous a fait une sortie. Puis là, aujourd'hui, elle est venue avec son copain Jean-François, puis elle devait y revenir après. Il l'a déposée chez elle en partant d'ici. Puis avant qu'elle parte, je lui dis, bah, t'as qu'à repasser, comme ça on ira faire un petit tour. Moi, ça me permettrait de sortir. Elle me dit, oui, laisse-moi le temps de me changer, de fumer une cigarette. Et puis, elle dit, je t'envoie un message pour te dire si je viens. Elle m'a appelé pour me dire que, bah, buvait son café. Elle fumait sa cigarette. Et puis après, elle m'enverrait un message pour me dire si elle vient ou si elle va se reposer. Puis du coup, elle n'est pas venue, elle a préféré rester chez elle et se reposer. Bon, tant pis, hein. Ce qui fait que je ne suis pas sortie aujourd'hui. Puis il faisait hyper frais. Il y avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de vent. Aujourd'hui, il y avait du soleil, mais énormément de vent.
Il faisait beaucoup plus froid que samedi. Voilà. Tu me marques, Sophie, c'est fait, bisous, bisous. Alors là, je ne comprends pas ton message. Je vois pas de quoi tu veux parler. Voilà, donc essaye d'être un petit peu plus clair dans tes explications parce que là, c'est fait, bisous, je ne comprends pas. Voilà, j'arrive pas à savoir de quoi tu parles. Voilà. Donc le confinement s'est fait. Alors, Pandora, j'ai vu que tu veux pas me dire ce que c'est, mais ça sera la surprise. Hein, tant mieux si tu me dis pas ce que c'est. Je t'enverrai. Je sais pas si tu as mon adresse email. Aubépine.blanche@zoutok.com. Il me semble que je vous l'ai donné sur la dernière vidéo. Je vous l'avais écrite, mon adresse email, sous la dernière vidéo live que j'avais fait. L'avant-dernière, avant qu'on ait ces problèmes de connexion. Ben, j'ai prévu de faire une vidéo live mercredi. Mercredi 15, là. Non, c'est parce que j'ai mis pause sur ma télé et c'est les vues. Et à chaque fois, ça change. Voilà. Dès que la pub est finie, ça se remet en route. Oui, donc je disais, mercredi 15 avril à 20h, je fais une vidéo live, les filles. Alors, je vous espère nombreuses, hein, soyez nombreuses. Venez nombreuses. Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit. Et comme je vous expliquais, pour les vidéos live, ça vient pas de moi, ça vient pas d'eux. C'est juste que eux, pendant la période de confinement, ils sont obligés de vérifier, d'examiner toutes les vidéos qui passent. Et s'ils voient qu'il y en a de trop, enfin dans les vidéos live, s'ils voient qu'il y a trop de vidéos live en route, que ça surcharge les lignes, ils font des coupures. Et si c'est trop répété, il faut remplir le petit formulaire qui vous mettent. Et puis voilà, donc voilà, on va essayer mercredi prochain, mercredi après-demain. Donc le mercredi 15 à 20h, je fais une vidéo live. Alors soyez nombreuses. Alors est-ce que je la fais à 20h comme d'habitude? Voilà, mais j'espère que vous serez plus nombreuses que d'habitude. Voilà, parce qu'à chaque fois on n'est que deux ou trois et c'est pas. Après, chacun ses occupations, hein, je veux dire, mais. Bah, ça me remonte pas trop le moral de savoir qu'on n'est que deux ou trois sur les vidéos live, alors que c'est le seul endroit où on pourrait être beaucoup plus nombreuses. Hein. Et puis, bah, vous m'écrivez les questions que vous avez à poser, ou si vous avez des trucs à me dire, voilà, vous l'écrivez, puis moi je vous réponds à faire une mesure. Mais allez pas trop vite, parce que sinon j'ai pas le temps de lire de tout lire, parce que c'est écrit tout petit sur mon écran, et... J'ai du mal à lire tous les commentaires. Voilà. Alors j'espère qu'avec l'autre ordinateur, vu que c'est un écran un peu plus grand, et puis que la tour, elle sera quand même un peu plus grosse aussi, je pense que ça, c'est un ordinateur bureau, je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais avant de l'acheter, de toute façon, je vais demander à ce qu'il me le branche, qu'il me l'allume et qu'il me fasse voir comment l'allumer, comment aller dans les paramètres. De toute façon, ça, je sais faire, il n'y a pas de souci. Mais je veux qu'il me le fasse, qu'il me le branche et qu'il me mette en route. Qui me fasse voir comment il fonctionne et puis que je regarde comment l'état de la tour et l'état de l'écran. Voilà. De toute façon, après la tour, je peux la brancher sur un écran de télé. Donc voilà. Donc pour l'asthme, c'est fait. Pour mes diamants painting, ben, je vous ai dit, hein, Sophie, je les achète soit sur Amazon, AliExpress, sur Wish. Là, je vais tester sur Joom et sur Vova et je voudrais tester aussi sur ceux que l'atelier d'Edith, sur ma petite abonnée Edith, là, l'atelier d'Edith, elle fait beaucoup de partenariats. Et quand elle fait ses partenariats, elle nous donne le nom des boutiques où elle les reçoit. Donc moi, je vais essayer ces boutiques-là et on verra bien. Je me suis créé un compte sur... ebroderie.fr
J'ai créé un compte aussi sur mes petits diams. Voilà. Et puis là, ben, je vais aller voir sur l'autre, hein, sur les autres que Edith a donné. Pardon, sur les autres sites que Edith a cités dans ses vidéos, et puis on verra ce que ça donne. Voilà pour ça. Ben, je crois que j'ai fait le tour de. Oui, Sophie, tu marques que tu vas partager mes vidéos. Merci à toi, hein, je te fais un grand merci. Voilà. Je te fais un grand merci. Alors, les filles, je suis rendue à 34 abonnés. Alors, il y a mon petit chouchou qui s'est abonné à ma chaîne YouTube, mais je ne peux pas le voir parce qu'il est tout petit, il n'a que 7 ans. Il ne peut pas avoir accès sur YouTube par rapport à son âge, donc il n'a pas de compte YouTube et tout. Donc, il a fait l'abonnement, il m'a dit tout à l'heure, parce que je l'ai eu en vidéo aussi tout à l'heure, malgré que je n'ai pas pu voir ma petite fille, parce que ma petite princesse, ma petite choupette, elle n'était pas rêvée, elle était partie faire son gros dodo, donc voilà. Donc, du coup, il s'est abonné à ma chaîne pour sa maman, donc il m'a dit que sa maman regardait mes vidéos, parce qu'elle adore tout ce que je tricote, hein, de toute façon. Et puis il va falloir que je fasse des tricots pour ma petite fille. Alors il faut que je termine la couverture en C2C pour la petite. Voilà, pour que je puisse lui donner pour l'hiver prochain. Voilà. Et j'ai la grande au tricotin aussi à finir, qu'elle pourrait mettre dans son petit lit. Voilà. Donc elle, il va falloir que je l'avance aussi. Parce que là, au niveau tricot, je suis en mode pause niveau tricot. Là, j'ai fini d'assembler ma première partie de mon plaid de tricot passion. Là, je suis en train d'essayer de finir les 10 petits carrés qui me restent à faire sur mon plaid, mes créations crochet. Facile. Donc là, voilà. Donc on va enchaîner sur le petit carré, hein, pour essayer de l'avancer un petit peu avec vous. Et puis après, voilà quoi. J'ai travaillé un petit peu ce matin sur mon diamant painting, les fleurs et le papillon bleu, mais j'étais au soleil, donc j'étais bien, mais j'avais peur que la chaleur du soleil assèche ma colle sur ma toile. Donc du coup, j'ai arrêté de le faire. Et puis, ben, j'ai toujours pas mes diamants numéro 211. Alors, le vendeur a répondu, hein, comme quoi. À mon message, je lui ai envoyé les photos et normalement il faudrait que j'aille voir là sur ma tablette où c'en est au niveau des messages du vendeur, savoir quand c'est qu'il les a fait partir. J'ai une de mes petites abonnées, je ne me rappelle plus qui c'est marqué sur mon papier ici. Parce que si je note pas sur un papier, je ne me rappelle pas de qui m'envoie les messages. Alors. Je sais plus qui c'est. Oui, c'est Pandora que tu me dis, toi, quand tu achètes les diamants painting, t'as pas de vendeur attitré, hein. Tes feuilles, tu as tout. Quand tu achètes les toiles en diamant painting, quand tu achètes tes toiles en diamant rond, tu as les feuilles de route qui vont avec. Écoute, moi, sur toutes celles que j'ai en diamant rond, j'ai toujours pas les feuilles de route. Alors, est-ce que. Voilà. Je ne sais pas. Sur aucune. Hein, et pourtant, je ne commande pas toujours au même vendeur. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour. J'en ai eu que deux. Avec la feuille de route, c'est mes deux diamants. C'est mes deux toiles. Diamant rond avec numéro DMC. Alors, ces deux-là, j'ai même pas eu de feuille de route. Les feuilles avec les numéros, je ne les ai pas non plus. Hein. Sur aucun DP. J'ai 8 petits diamants painting avec diamants ronds. Plus les deux grands. Non, j'ai un bouton à percer là sous le nez. Voilà. Oui, tu me disais, Sophie, que tu avais une fille. Mais c'est pas une, c'est deux que tu as.
Parce que j'ai vu une de tes vidéos où tu avais deux filles à la maison. Bon, il y a celle de 12 ans, hein. Elles sont magnifiques, tes filles, hein, franchement. Puis la petite, là, qui a 9 ans, elles sont très belles. Ouais, c'est 12 ans et 9 ans, et bientôt 10 ans. Ouais, elles sont de l'âge de mes deux petites filles, hein. Parce que ma Serena va avoir 13 ans le mois prochain. Marina va avoir 10 ans. Vous voyez, j'ai marqué le nom, mais j'ai marqué l'âge de mes petites filles pour m'en souvenir. Serena va avoir 13 ans. Marina, elle aura 10 ans. Et Kailis, elle aura 5 ans le mois prochain. Vous voyez, Kailis, ça s'écrit comme ça. Après, je fais peut-être une faute, hein, mais voilà. Voilà. Ouais, ben, c'est un bouton que je me suis percé. Et puis maintenant, ben, il saigne. Voilà. Donc, vous voyez, ben, il y a un petit moment, j'ai pas fait de peinture sur mon mur de salle à manger, les filles. Peut-être la prochaine vidéo, on en fera une. Voilà. Faudra que je recherche dans mes anciens messages qui c'est qui devait m'envoyer. Ben, c'est Margaret, je crois. Je revérifierai. Je veux pas dire de bêtises. Il y en a une parmi vous qui a commandé un diamant painting et qui a commandé deux fois le même. Et qui doit me l'envoyer. Ou c'est Delphine, je ne sais plus. Alors attendez, je vais vérifier. Je ne l'ai pas noté. Vu que j'ai fait des écritures dessus. Alors, j'ai. Ah oui, ça, c'est les derniers messages que j'ai notés, que j'ai pas répondu. Alors, il va falloir que je me mette un truc sur mon. Sur le dernier, la dernière vidéo que je devais répondre aux commentaires, je crois que j'y ai pas répondu. Les filles, tu es assis pour l'histoire du paillasson. Et ouais, oui, c'était Florence là, que je te parlais de mes projets, de mes 15 projets. Ouais. Oui, que Sophie, elle me disait que c'était vraiment n'importe quoi par rapport à ma voisine. Et c'est Catherine C, qui me parlait pour la rouille qu'il y a sur mes toiles, broderie, point de croix. Elle me disait qu'il existait des produits anti-rouille pour tissu. Voilà, et après. Ici, j'ai noté quoi? Ah oui, Catherine, c'est. Alors, je te demandais, tu me demandais si j'avais pas des diamants numéro 3852. Je t'ai bien répondu, j'ai bien du 3852, mais en diamant carré. Précise-moi si tu veux en diamant carré ou en diamant rond que je puisse te les envoyer. Parce que 3852 en diamant rond, j'ai pas. Alors après c'était quoi? Oui, ça après c'était question de l'organisation et tout ça. Alors j'ai une adresse mail. Ouais, ça doit être. Bah, de toute façon, j'ai qu'une Martine dans les. J'ai qu'une Martine. Donc il faut que je note ça dans mes contacts sur mon. Non, je vais mouiller un peu le papier pour arrêter le son. Parce que je note tout sur les papiers, mais il faut que je refasse mon carnet d'adresses email aussi. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit qu'elle avait acheté un diamant painting, qu'elle avait acheté deux fois le même, c'est des oiseaux. Et je vois pas marqué là. Alors. Si c'est pas sur celle-ci, ça va être sur celle-là.
pourquoi j'ai marqué Camille Petit, moi? Ça doit être une de mes nouvelles. Alors, j'ai pas mon autre. Parce que j'avais eu une autre abonnée. Je suis à 34 abonnés. J'ai pas été voir aujourd'hui. Alors, j'ai rajouté mon petit chouchou, mais il va falloir que je marque le nom de sa maman. Alors. Alors, j'ai Dani, j'ai Dani M. C'est le seul Dani que j'ai. D-A-N-Y. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Je ne sais pas. Je crois que c'est un garçon. Mais là, je vois que j'ai marqué Camille Petit. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Camille Petit. Ça devait être une de mes nouvelles abonnées. Je vais regarder dans mes anciens, dans mes messages, et puis je vais bien vérifier. Ça, c'est la recette du pain que l'atelier d'Edith avait mis sur, sur sa page Facebook. Mais je... Non, j'ai pas retrouvé le petit papier. Que tous les papiers sur lesquels j'écris, c'est ici. Donc, j'ai une Camille Petit. Alors, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ou c'est peut-être pour un, par rapport à un livre, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus, je ne peux pas vous dire, je ne sais plus. Je note et après je ne m'en rappelle plus. Alors, je vous donnerai, parce que je ne sais toujours pas comment faire pour mettre les liens en dessous des vidéos. Il faudra que je regarde, que j'essaye, voir ce que ça donne. Je vous donnerai mon Instagram, mon Pinterest aussi, mais c'est des trucs où je vais très rarement. Hein. J'ai Ravelry, mais que je recherche dans mes adresses e-mail, et puis c'est des sites où je vais très rarement. Je sais plus qui c'est qui m'a... Alors, je sais que Catherine m'avait demandé des diamants 38-52. J'en ai bien, mais c'est des diamants carrés. Voilà. Donc, faut savoir si c'est des diamants carrés ou des diamants ronds que tu veux. Et puis, bah, ce que je cherchais, bah, je trouve pas ce que je cherchais. Donc... En tous les cas, il y en a une parmi vous qui doit m'envoyer, qui a acheté Diamant Painting avec des oiseaux. Elle a acheté deux fois le même. Elle l'a acheté en deux fois. Et ça ne lui sert à rien d'avoir les deux. Donc, elle va me l'envoyer par courrier dès que le confinement va être... Enfin, dès qu'elle peut sortir pour aller à la poste. J'ai pas de papier, je crois pas. À part là, ce que j'ai noté pour vous dire tout à l'heure... Je ne vois plus rien, donc c'est pas grave. Voilà, donc on va partir un petit peu sur petit carré. Oui, je vous disais, j'ai 34 abonnés. Mais Dani, j'ai pas la confirmation qu'elle est abonnée à ma chaîne. Mais je vais revérifier dans mes messages là ce mois-ci. Parce que tous ceux du mois de février, j'ai tout supprimé. Faut que je recherche parce que je crois que j'ai pas supprimé mon historique de... Faudra que je regarde tout à l'heure. Alors, moi j'étais en train de chercher là pour le vendeur, pour AliExpress. Oui, c'est AliExpress.
Alors, j'ai quatre messages. Fil d'actualité, j'en ai rien à faire. Ah oui, je voulais vous montrer l'écran de l'ordinateur que je vais avoir. Ça va être un petit écran comme celui-là. Ça sera un petit écran comme celui-là. Je ne sais pas si vous le remontrez. Vous voyez, ça va être un écran comme celui-là. Donc si je vois qu'il est trop petit, eh ben, je changerai, hein. Je mettrai directement l'ordi, directement sur mon écran de télé à moi, ou sur le grand, ou sur la grande télé, ou sur la petite. Alors, je vais aller voir mes messages. Je suis en train de regarder un truc, une vidéo sur le netbook. Le netbook, c'est les tout petits écrans d'ordinateur, les petits ordinateurs portables là, qui sont 10 pouces ou 15 pouces, oui, qui font à peu près 10 pouces. Libre d'impôt pour certains pays de l'Union européenne. USB, je l'ai mis. Ah oui, il est pas mal. Mais bon, ça, je m'en fous parce que. Alors, j'ai deux messages. Oui, je leur mettais. Quand je leur ai envoyé au vendeur, c'est Jouistar Official Store, je lui avais marqué que, ben, vous voyez, il me demandait de lui envoyer la photo du. Voilà. Pour lui dire que j'avais bien reçu mes diamants numéro 211, mais qu'ils avaient fait une erreur, ils avaient mis des ronds au lieu de mettre des carrés. Donc, je vous éviterai les messages que je lui ai écrits. Et lui, il me met et il me marque, tu voulais, enfin, tu, il me dit tu. parce qu'il met, vous voyez, il m'écrit les messages en anglais et il me les écrit aussi en français en dessous. Voilà. Et ça, c'est très bien. Et cher, tu voulais dire que tu as un diamant rond pour toi. Ben oui, c'est des sachets de diamants ronds. Et après, il me fait, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo du sac à bulles blanc pour que vous puissiez voir et aussi m'envoyer une photo du diamant que vous avez reçu. Donc moi, ben, j'ai bien fait parvenir les photos du sachet, du papier d'emballage, vous voyez, j'ai bien envoyé les photos. Voilà. Et les photos du sachet de diamant. Voilà. Et en dessous, je lui ai marqué, je leur ai marqué. Que ben, j'étais désolée de leur répondre aussi tard parce que j'ai des soucis de connexion par moment. Des fois, la connexion elle rame donc c'est pas évident pour moi non plus. Et j'ai marqué ci-dessous au lieu de marquer ci-dessus parce que moi je pensais que mon message il allait s'afficher au-dessus mais non, il s'est affiché en dessous. Voilà, que vous me demandez, car comme je vous l'ai dit, il me faut diamant carré numéro 211. Et lui, il me répond, je suis vraiment désolée car notre erreur vous a envoyé le mauvais diamant. Je vais vous renvoyer le carré diamant 211, 12 packs. Hein? Et sur les diamants ronds, il m'en avait mis 13. Donc je pense que sur les carrés, il va y en avoir un supplémentaire. Hein? Enfin, ils sont très. Ça, c'est un vendeur qui a l'air qui est très compréhensible. Alors j'ai fait OK, merci. Mais vous savez, comme dit le dicton, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Je sais très bien que je ne suis pas la seule cliente à qui ça arrive et que vous avez beaucoup de commandes à gérer. Je vous enverrai une photo de ma belle de ma toile Diamant Painting dès qu'elle sera terminée. Encore merci pour votre compréhension et tous vos efforts. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Et lui me fait, merci beaucoup pour votre compréhension, je suis très désolée pour cette erreur, je vous enverrai un colis diamant dès que possible. Voilà. Ben, il est parti, il va pas tarder d'arriver, les filles, voyez. Parce que quand il m'envoie le message, je vous enverrai dès que possible, là c'est le numéro de suivi. Donc, il y a le message en haut, il y a le numéro de suivi en dessous. Donc, les diamants, soit demain ou en fin de semaine dans ma boîte aux lettres. Parce que l'autre fois, c'est ce qu'il avait fait et j'ai reçu le colis, les diamants ronds, je les ai reçus, ouais, on va dire, 3-4 jours, voire une semaine après le message. Donc, j'ai bien fait d'y aller voir, donc je ne vais pas tarder à les recevoir. Je cherchais quoi? Oui, c'était ça que je voulais voir. Oui, mon bébé. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Va te coucher sur ta couverture, là. Allez, va sur ta couverture. Eh ben, t'es pas content, c'est pareil. J'y peux rien, moi. Voilà. Parce qu'il n'a pas ce qu'il veut, le chat, donc... il tourne en rond, là, cherche à faire une bêtise. Non, il veut des câlins. Il veut des câlins, bébé. Ton maître... Eh, pas le canapé. Pépère. Eh, oh, Mars. Tu crois que tu me l'as pas assez abîmé, le canapé, là? J'intérêt à mettre une bâche en plastique sur l'autre canapé, là, sous le clic-clac, quand je vais l'avoir. Il tourne en rond, il tourne en rond autour de la table basse. Il fait le tour de la table. T'es pas obligé de balancer le cul par terre avec ta queue, là. Ça y est, t'en as pas marre de tourner autour de cette table, là? Hein? Oui, j'étais partie voir sur la... Oui, YouTube. Voilà, c'est ça que je cherchais. Non, même pas, c'est pas YouTube que je voulais voir. Non! Tu fais tes greffes sur ton grattoir là-bas. Tu fais pas tes greffes sur mon classeur ni sur mes cartons là. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas l'application boîte mail sur ma... J'ai que Messenger sur mon truc. Sur ma tablette. Bon bah c'est pas grave, de toute façon, je regarderai dans mon historique de messages sur mon ordi tout à l'heure. Voilà. En attendant, j'ai répondu à toutes vos petites questions. Oui, ça fait, comme je disais, ça fait du bien d'avoir mon petit-fils à la de l'avoir en vidéo quand je peux les joindre. Là, c'est eux qui m'ont appelé hier. C'est hier, non, avant-hier. C'est eux qui m'ont appelé, donc ben, j'étais contente. Hein. Papa, maman laisse le petit chouchou parler avec sa grand-mère au téléphone, tranquille. Puis je peux vous dire qu'il est très doué hein, pour aller sur les paramètres. Hein. Voilà, donc... voilà pour ça. Là, j'ai mon chat qui m'a griffé hier, ici, partout, là, parce que il n'aime pas quand on l'attrape, quand il est dans une pièce et qu'il ne veut pas sortir. Ben, des fois, je l'attrape pour le faire sortir. Puis, monsieur, ça ne lui plaît pas, donc il griffe avec ses pattes arrière. Hein, pépère? Hop là. Hein, mon bébé? Ok, voilà, c'est bébé, c'est petit bébé câlin, ça me prête. Pépère câlin, mon frère. Hein? Tu boudes? Tu boudes, bébé? C'est plus un bébé, pourtant, hein? Ah, mon pépère, il est beau, mon pépère. Mon beau petit petit pépère. Mon hein? Ce petit mars à maîtresse. Oh! Oh! Voilà. Bon, ah oui, je voulais vous montrer où ouais, on a le temps de faire un petit peu de carré. Un petit peu sur mon carré. Alors, là j'en étais au tour numéro 2. C'était le jaune. Là on en est au fil blanc. Alors, une maille en l'air. Alors, accrocher le fil blanc sous une maille en l'air. 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4.
faut que je vous baisse l'écran pour que vous puissiez voir quand même. Voilà. Deux doubles brides dans le même espace. Alors, double bride dans le même espace. Une. Et deux. Alors. Trois doubles brides dans les 11 espaces suivants. Alors. Voilà, et c'est comme ça tout le long. Ah. Une. Oui, parce que quand il dit on soit, c'est qu'il ne faut pas compter la première qu'on a fait. On compte 11 à partir de la deuxième. Donc on, là, c'est une. Ah bah, si je baisse. T'es beau, mon chat. Ah non, quand il est comme ça, faut pas l'embêter. T'es beau, mon bébé. T'es beau. Oh, bon, non, 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 tu viens pas là. Tu restes sur ton meuble. Voilà. Deux. Voilà, on en est à deux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a bien 11. Donc, moi, je les compte à l'avance pour savoir si j'ai le bon compte. Et après, je fais directement jusqu'au bout pour faire mes brides ou mes doubles brides suivant ce qu'il y a à faire. Donc après, quand le blanc va être fini, regardez tout ce qui reste encore. La plante est pratiquement neuve. Hein. Je l'avais entamée pour faire un carré, puis du coup, j'ai juste eu de quoi faire le cercle central, qui fait que ça m'a pas utilisé beaucoup de laine, donc... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Hé, tu veux que je t'aide, là? Pourquoi tu passes là que tu peux pas passer? Hein? Il est casse-pied pour ça. Voilà, je mets des choses là, voilà. Vous voyez, il est parti se coucher derrière moi. Je vais tourner l'ordi derrière, voilà. Vous voyez, il est derrière moi. Ça, après, là, c'est le Sony Alat. Que j'ai recouvert avec une couverture, vous, dans quelques temps, vous ne le verrez plus. Après le confinement, normalement, on ne devrait plus le voir. Hein. Encore. Hop.
Et le dernier, il est ici. Alors, quand ils mettent de fermer avec une demi-bride, je fais avec une maille coulée. Parce qu'avec les demi-brides, après, quand je repars, ça me fait... quand il faut que je pique ici, une demi-bride ici. Quand j'arrive, quand je fais le tour d'après, quand j'arrive ici, je me trompe pour faire le rang suivant. Donc, je ferme avec des mailles coulées et c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, j'ai l'habitude comme ça et au moins, mes carrés, ils tombent juste. Alors, quand on est à la fin, pour faire une maille coulée à la quatrième des... Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, et là après je coupe le fil. Ma petite boucle de sécurité. Voilà, et on a le petit cercle. Celle-là, elle va aller voir ses petites sœurs. Alors ensuite, il faut prendre le fil orange. Donc c'est vraiment un orange. Hein. Sur l'écran, je le vois orange abricot, alors qu'il est orange fluo. Hein. C'est vraiment du orange tape à l'œil. Hein. Alors, que je vérifie que... Ah oui, j'ai rentré le jaune, il va m'en falloir d'autres du jaune. Oh, j'ai rentré le jaune, moi. Alors, le orange. Il faut que je l'accroche dans un espace entre trois doubles brides. Alors, on va le prendre là, comme ça, on va cacher le fil qu'il y a là. Il faut faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait une maille serrée dans l'espace suivant. Ah oui, c'est des petits et des petits. Après, on fait. Trois mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, cinq mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être les angles, ça. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. J'en ai déjà fait un carré comme ça. Alors, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, et après, pour répéter à partir de l'étoile, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille serrée,
deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée. Et après, on reprend trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Une maille serrée ici. Une, deux, trois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois. Aïe. Une, deux, trois. Et après, cinq mailles en l'air, une, deux, trois, quatre, cinq, et fermer avec une maille coulée dans la première des quatre mailles en l'air. Voilà. Et après, mettre, arrêter le fil. Hop, on va recouper un petit peu là. Je fais mon nœud sécurisé pour sécuriser. Voilà. Et ça vous donne ça. Ça fait des jolis petits trucs, hein. Donc l'orange, on n'en a plus besoin après. Le fil rose vif, et après on reprend le fil jaune. Bloc de orange, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Alors, on prend le rose vif. Alors je finis quand il y a des petits restes comme ça. J'ai pris sur un reste tout à l'heure, j'ai pu faire un carré entier. On accroche le fil rose dans un arceau de 5 mailles en l'air. On va le prendre ici. On met du rose vif avec du orange, on ne les voit pas les couleurs d'une à côté de l'autre. Et on fait 2 mailles en l'air. Pas le prendre là, je vais le prendre de ce côté, comme ça je vais pouvoir rentrer le fil. Une et deux. Après, on fait deux demi-brides dans le même. Une et deux. Par la suite, on fait 4 demi-brides dans les deux arceaux suivants. À plein. Une. Deux. Trois. Une, deux, trois, quatre. Ensuite, là, on est dans un angle, on fait trois demi-brides de maille en l'air, trois demi-brides. Alors, trois demi-brides. Une. Deux.
une, deux mailles en l'air et trois demi-prises. Une demi-prise, ça. Une, deux, trois. Et après, on refait tout le tour pareil. 4 demi-brides dans les arceaux suivants. Une, deux, trois, quatre. Quand je peux rentrer tous les fils, ben je les rentre en même temps. Hein. Une, deux. Alors, je vais la refaire, je vais louper. Trois. Quatre. Décidément, mon crochet ne veut pas rester dans mes mains. Là, c'est l'arceau, donc on fait trois demi-brides. Deux mailles en l'air, trois demi-prises. Hop. Là, je vais avoir assez. Je vérifie après. Donc ça, j'en ai pas besoin, tu vois. Alors, trois demi-prises. Il va me rester encore tout ça là. Donc je finis mon tour. 4 demi-prises. Alors là, ici, on n'est pas obligé de rentrer. 1, 2, 3, 4. J'en ai bien fait 4 de l'autre côté. Ouais. 1, 2, 3, 4, une, deux, trois, une, deux, une, deux. Une, deux, trois. Hop. Il me reste tout ça encore. Alors. Deux mailles en l'air et une main coulée dans la deuxième des deux mailles en l'air. Et on coupe fine. Je fais ma petite boucle pour sécuriser. Voilà. Et on obtient un petit carré comme ça. Et il me reste que ça.
ça va servir pour. J'ai une petite mamie là qui habite dans le bâtiment où j'habitais avant. Elle me demandait si j'avais des restes de laine, parce qu'elle fait des petites fleurs au crochet. Donc, eh ben, je lui donnais mes petits restes de laine, elle sera contente. Voilà. Donc là, on reprend le fil jaune et ma boîte, elle est vide pour les prochaines pelotes. Alors, le fil jaune, mon chat s'est frotté sur moi, j'ai des poils de chat. Le fil jaune, il faut l'accrocher dans un angle. On vient accrocher dans un angle. Et on fait deux mailles en l'air. Une et deux. Par la suite, on fait une demi-bride dans les 14 mailles suivantes. Alors, moi, pour savoir si j'en ai bien 14, je les recompte. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14. Voilà, donc là, il va falloir que je décale d'un cran. Ça m'embête, c'est pas le chat. Alors, ici. Voilà, je décale d'un cran et je viens piquer là par la première boucle. Et c'est quoi qu'il faut que je fasse déjà? Des demi-prises. Une. Et 14. Dans l'arceau d'angle, une demi-bride, trois mailles en l'air, une demi-bride. Alors, une demi-bride dans l'angle, une, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, une demi-bride. Et là, on refait les 14 brides. Alors, comme c'est là où j'ai piqué pour arrêter mon fil, il faut que je compte ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Voilà, il faut que je pique ici.
ramasser une demi-brique de romagnon en l'air. Une, deux, trois. Et une demi-brique. Dernière ligne droite, carré, elle est finie. Cinq. On en fait une, deux, alors à la fin il faut faire en ayant l'air. Les piquer. Fermer avec une main coulée dans la deuxième des deux mailles en l'air. Et voilà, mon carré, il est fini, les filles. Alors, hop. Il n'y a plus qu'à mettre le numéro. Voilà, mon petit carré. Alors, je vais couper ça, je vais le ranger après. Je vais prendre juste un petit bout de papier. Le crayon pour marquer les numéros, c'est le 110. Mon zéro, il est mal fait, mais c'est pas grave. Voilà, ma petite boîte d'épingle. Voilà, j'ai mon petit numéro sur mon petit bout de papier. Voilà.
Alors là, ça gondole un petit peu, les filles, mais c'est pas grave. Quand je vais border avec la laine blanche, que je vais faire la bordure de mes carrés, ils vont être tous de la même grandeur. Voilà. Et petit numéro 110. Donc il va retrouver ses petits frères. Voilà. Vous voyez, il me reste encore tout ça en jaune. Hein. J'en ai encore d'autres. Hein. Voilà. Alors quand il y a des carrés où il y a plusieurs couleurs à faire dedans, je regarde s'il y a assez pour avec des restes de laine. Et comme ça, ça m'économise les petites pelotes toutes neuves. Je l'ouvre. Alors, celui-là, il est fait. Alors là, le prochain, je ne le ferai pas maintenant. Non. Je ne le ferai pas maintenant parce que c'est une couleur assez foncée. C'est du bleu canard. Après, c'est du bleu marine. Donc, du coup, il m'en reste encore 1, 2, 3. Ben, il m'en reste 9 parce que celui-là que je viens de faire, c'était le 10e. Voilà. Oui, 4 et 4, 8. Il m'en reste encore 10. 9, pardon. Donc là, ben, on a fait un petit carré ensemble. Je mets ça là. Ça, je vais le mettre là aussi. Ça, c'est mon mouchoir. Ça, je vais le mettre dessus. Je vais le mettre par là. Ça, ça vient là. Vous voyez, comme j'ai plus de savon pour les mains, je prends des lingettes bébé pour me nettoyer les mains. Voilà, je prends une petite lingette bébé. Elles sentent hyper bon. Mais je vais m'en acheter une boîte, des lingettes comme ça, avec les boîtes plastiques. Vous savez, les grosses boîtes où on met plusieurs lingettes dedans. Voilà, ça, ça vient là. Ça, ça vient là aussi. Il n'y a personne qui bouge. De toute façon, ici, c'est il y a que moi. Ça, ça va retourner dessous. Voilà, je voulais faire un peu de diamant painting, mais on verra ça demain. Ça, je vais mettre ça dessus. Voilà, donc mes petits crayons, je les mets là. Voilà. Donc, ça, ça va aller ici. Voilà. On est à 1h29 de vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je fais plein, tout plein de gros bisous à mon petit chouchou, à sa petite sœur, à son papa et à sa maman. Plein de gros bisous à vous aussi. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Voilà. N'oubliez pas, vidéo live mercredi 15 avril 2020 à 20h. Bisous.